Je me présente, colonel Tilleul. Lucien Lebiche. Je sais, je sais. Auriez-vous un stylo? Enfin, non, je suis désolé. Excusez-moi, mais je crois qu'il y a eu une erreur quant à mes résultats. Vous avez fait une demande pour travailler dans les services secrets? Oui, enfin, je sais que ça peut paraître un peu ridicule maintenant que j'ai pas eu mes examens, mais je suis sûr que c'est pas normal, enfin... Pourquoi vous vouliez travailler dans les services secrets? Enfin, c'est un petit peu un rêve d'enfant, alors... Enfin, quand j'ai vu dans les formulaires qu'on pouvait mettre une croix si l'on désirait travailler dans le service secret, voilà, j'ai mis une croix. Enfin... Votre demande a été acceptée. Vous allez travailler pour les services secrets. Enfin, je comprends pas très bien. Si. Vous comprenez que nous avons dû vous faire échouer officiellement afin que personne ne se doute que vous travaillez secrètement pour le pays. Mais, enfin, qu'est-ce que je vais avoir comme mission? Aucune. Dans un premier temps, nous allons devoir nous assurer de votre discrétion quant à votre activité. Nous devons être certains que personne dans votre entourage ne soit au courant. Pas même votre meilleur ami Paul, ni votre compagne Lucie. Vous savez qu'il vous faut maintenant une couverture? Une couverture? Oui, une activité à exercer au grand jour afin de masquer votre véritable fonction. Enfin, je suis désolé, là j'ai pas d'idée. Nous avons déjà réfléchi pour vous. Votre père étant un homme relativement aisé, vous allez passer aux yeux des autres pour un dilettante. Un dilettante? Oui, un fils à papa. Quelqu'un qui consacre ses journées à profiter de la vie. Votre nom de code sera Il fait beau. Il fait beau. Merci. Au revoir. J'oubliais. N'oubliez pas de rapporter le plus rapidement possible l'uniforme que vous avez emprunté. Et attention à vos lacets qui sont défaits. Vous voulez que je vous ouvre? Oui, s'il vous plaît. Merci. Il fait beau! Vous dites qu'il fait beau? Eh oui, ça s'est éclairci. Ah. Bon, au revoir. Au revoir. Allô? Non, il fait pas beau. Ah oui, il fait beau. Oui. Oui. Très bien. Une femme en rouge. Demain à midi, d'accord, ben je serai là. Un colis? Qu'est-ce qu'il faut que je mette comme chapeau? Je vais prendre quelque chose pour noter l'adresse. Non, mais je note rien, je vais tout mémoriser. Excusez-moi. Vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Oui, il est... midi moins 5. Merci. De rien. Ça va?
Enfin, je suis vraiment désolé hein, pour hier soir. Hein. T'aurais pu me présenter. Les amis de mes amis sont mes amis. Ah, tu veux parler de la femme, mais enfin, moi je la connais pas du tout. Hein. Enfin, elle me demandait juste son chemin là. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est alors le colis qu'elle t'a donné? Ah ben non, si tu veux me parler de tes activités mystérieuses, ça te regarde. Ah non, mais il n'y a aucune activité mystérieuse. Hein. Alors, pourquoi t'as l'air si confus? Ah ben, j'ai pas l'air confus. C'est sûr. Ah non, non, non. Non, je t'assure. Oui, il fait beau. Vous avez le paquet? Oui, oui, oui. Vous n'avez pas été suivi? Non, non, non. Je dois le livrer où? Vous avez un avion qui part dans 3 heures pour Antananarivo à l'aéroport de Marignane. Objet de votre voyage, tourisme, détente, rencontre. C'est sur place que vous serez contacté pour la suite des opérations. Des questions? C'est dangereux comme mission? Si tout se passe bien, non. Le vol 432 en provenance d'Antananarivo vient d'atterrir. Allô? 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 Il fait beau? Ah oui, 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 il fait beau. Et félicitations. Votre première mission est terminée. Ah, mais qu'est-ce que je dois faire du colis? Oh, vous pouvez le jeter. C'était pour faire diversion et protéger une autre mission. Ah bon? Mais cela a très bien marché. Mais enfin, vous savez, ça, j'ai rien eu à faire. Oh, ne vous sous-estimez pas. C'était très bien. Excusez-moi, enfin, j'aurais aimé vous demander quelque chose. Oui, je vous écoute. Est-ce que c'est possible de changer de couverture?